Cindy Taylor, plus connue sous le nom de Jessie Jane, était une actrice américaine. Elle a été retrouvée morte ce mercredi 24 janvier 2024 à l'âge de 43 ans. Jessie Jane, de son vrai nom Cindy Taylor, était une actrice qui a pu être aperçue dans plusieurs productions américaines comme Entourage ou le film Alerte à Malibu, Mariage à Hawaï. Elle a été retrouvée morte avec son petit ami Brett Azamuelé dans leur maison, à Moore, dans l'Oklahoma. C'est la police qui a fait la découverte des corps ce mercredi 24 janvier après avoir été appelée pour effectuer un contrôle, car personne n'avait de nouvelles du couple depuis des jours. Si un médecin légiste doit confirmer la cause exacte du décès, un lieutenant de police a déclaré au New York Times qu'une overdose de drogue était la piste privilégiée dans cette enquête toujours en cours. Jessie Jane avait 43 ans. Jessie Jane, actrice passée par Hollywood née au Texas, Cindy Taylor, qui est vite devenue Jessie Jane, a commencé sa carrière en tant que mannequin. Après avoir posé pour des détaillants et avoir fait une publicité, elle a signé un contrat avec le studio digital Playground. En 2003, elle a fait ses débuts dans les films pour adultes, où elle a joué dans de grosses productions, avant de prendre sa retraite en 2007. Mais Jessie Jane a réussi à conquérir Hollywood en participant à certains films et séries cultes. Elle est notamment apparue dans le film Alerte à Malibu, Mariage à Hawaï et même dans le film Starsky et Hutch sorti en 2004. L'année suivante, elle joue dans la saison 2 de la série Entourage et se lance ensuite dans la télé-réalité. Elle a participé à Bad Girls Club ou encore à Jane Simmons Family Jewels. Jessie Jane, une personne solaire contactée par People, Brian Gross, publiciste qui a travaillé avec l'actrice, lui a rendu hommage, se souvenant d'une personne vive qui avait un amour absolu et ultime pour la vie. Il a également évoqué la joie de vivre de Jessie Jane. Elle éclairait une pièce dès qu'elle y entrait. Son rire résonnerait partout où elle se trouverait, elle s'est assurée de tout donner, non seulement en performance mais aussi en promotion. Elle me manquera personnellement beaucoup pour les raisons ci-dessus. Son sourire était tout, conclut-il.